moi, un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible. On travaille pour le rendre accessible, donc pour moi, le Rhum, c'était pas un rêve. C'était la suite des choses logiques d'être au départ de cette course qui, par contre, est extraordinaire pour nos bateaux. 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ! Là, c'est parti pour cette route du Rhum. Le chapeau de roue. C'est parti très vite, ça faisait 15 jours, un peu plus qu'on était à Saint-Malo sans naviguer. Un départ que je voulais prudent, au final en tête. J'ai hâte de bien faire, de savoir que j'ai une petite chance à jouer et voilà, ne pas la louper. Voilà, premier repas sur cette route du Rhum. Il y a un petit jeu de Birman avec Erwan et Seb. Et voilà, on est serré, là je suis 3ème à 1000 d'Erwan. Milieu de nuit, je suis un peu décalé dans le sud. Et là, je décide d'aller en premier dans le chenal du Four. C'est une option qu'on avait choisie. Erwan hésitait, il était entre les deux camps. Seb a fait extérieur. Là, je me retrouve du coup en tête, non sans risque, parce que j'ai failli percuter un voilier à la sortie du chenal du Four qui n'était pas à l'AIS. Le lever de soleil, et dans l'arc, le lendemain matin, du coup, on était au sud-ouest de l'île de Saint et un peu tous en groupe. Et donc, j'étais en pointe. Donc c'est top, c'est les conditions où le bateau, on sait qu'il peut aller vite. Simple, en contrôle. C'est passé comme ce qu'on avait écrit sur le brief. Toujours en tête du cours d'avance, ils viennent de venir à peine sur un mail et là il commence à y avoir des options différentes pour passer le front. On attend à 30 nœuds, la mer commence à être un peu chaotique, là, il y a quelques vagues qui déferlent un peu sur le front. Là, ça commence à monter lentement. On est sur Galvana, à Denia, Alicante, Espagne. Dans cette cellule, il y a Eric Mas, là il est à Paris dans son bureau. Ici à bord, je suis avec Lalou, c'est une grande chance de partager ça, on est en contact permanent. C'est génial parce qu'en fait on est tout le temps donc, en train de discuter, on parle vraiment beaucoup, donc du coup ça permet d'amener la contradiction. Et on est sur notre nave donc, en permanence, on dort pas beaucoup, c'est pas toujours très simple. Il y a toujours plein d'options qui se présentent, qui se profilent. Mais là on est bien, non, on est en bas bord. Ça va faire que à donner, non? Il fait du 300. Oui, mais simplement, je pense qu'on n'aurait pas Thibaut là-haut. Ce serait intéressant de faire un peu de sud maintenant. Ouais, que je comprends. Mais comme le Thibaut, il va pas mollir dans le front, il va débouler de l'autre côté dès qu'il va pouvoir virer sur tribord. Oui. On peut pas le laisser faire ça tout seul. Quoi. Pour l'instant, je pense qu'on est bien. Il faut que Quentin se prépare bien à son front. Je suis heureux d'arriver. Tu viens de dérouler. Allez, exceptionnellement, je vous emmène dehors vite fait. Je me retrouve à passer le front, mon premier front en trimaran, vrai front, avec voilà 38 nœuds de vent. Ça y est, je me souviens pourquoi on a fait un roue fermé. Très puissant, mais sans casse, sans rien. Et dans la foulée, le vent il bascule comme prévu, on vire de bord. Allez, pas bien. Le bateau sans vitesse il tape, il y a 4-5 mètres de vague. Et avec de la vitesse, tantôt ça va, mais il y a une vague sur 10 qui peut être dangereuse et où le bateau rentre vite dedans. Donc faut faire gaffe. Le loup nous donne des conseils de réglage. Et après être lancé, au bout d'une heure, une heure et demie sur ce bord, je reçois un message comme quoi Thibaut est chaviré. C'est la première fois que je vivais cette expérience-là en étant en mer. Heureusement, j'ai pas reçu du coup d'appel de la direction de course, donc ça voulait dire que Thibaut n'avait pas de problème, parce que sachant que j'étais le premier et le plus près, il m'aurait demandé d'aller voir, même si je pouvais rien faire. Mais le front était passé, donc c'était possible d'y aller. On est en train de passer les Açores à tribord, on passe le vent. Là, ça bombarde. Là, je suis à l'Ansano. Des coupes dans les mains, tremblers. C'est bien ou sec, hein? Là, ça fait 30 000, ça envoie du lourd. Je le vois bien sur le classement que je suis premier, mais voilà, il n'y a rien, il y a 20 000, 30 000, tu t'arrêtes pendant une heure t'as perdu, ou deux heures, t'as perdu ton avance. Donc ça se joue à rien, il faut surtout continuer à faire attention au bateau. On
Mais entre le changement J1, J2, dérive, montée en bas, foil, choqué GV en grand, enfin voilà, j'ai pris un premier grain à 25, pneu, deuxième à 20. Bon, mais cette nuit, il est fatigante contrairement aux autres. Et le vent, il fait que tourner. Bon, allez, je vais régler ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Entre 20 et 24 nœuds. Il y a 16, 18 nœuds de vent, ils sont tirés à 12. C'est pas la même, quoi. Donc il fait froid, donc je m'habille, donc je galère à m'habiller. Ouais, c'est les vagues, elles vont sur le pont, sur le roof, ça tombe derrière et ça se mouille. On éclabousse. Les arnaques sur la toiture. Dans l'anticyclone des Açores, bientôt sous Jenna, donc là prendre des forces pour faire la manœuvre. Et voilà, enfin sous Jenna Kerr. C'est pas mal parce que il faut le dire, on a un très bon skipper avec un très bon bateau. Donc ça aide à la stratégie. Bonne nuit. Ouais. Vous aussi. Bonne nuit de 10 minutes. Pas. C'est ça la course en solitaire. Hein. Les routeurs sont à fond pour me faire prendre les bonnes décisions, donc ça c'est cool. La playlist 10h c'est changé le matin de départ. Et du coup j'ai tous les titres que j'avais préparés quoi. Donc je décrète l'ouverture du roof, nouvelle salle d'ambiance, ouverte du coucher du soleil, au lever du soleil, pas d'alcool, que de la H2O et une vue mer permanente. Voilà, c'est parti. J'arrive aux Açores, je suis frais totalement, je suis en pleine forme, j'ai rien cassé sur le bateau donc forcément ça aide. Là ça se passe sur une régate plus stratégique, plus fine, avec presque 2000 milles de distance à faire au portant, avec des angles qui sont beaucoup plus ouverts qu'au près. Donc faut faire gaffe, tu peux vite perdre de la distance s'il y a un nuage qui passe du mauvais côté de toi. Là je me force un peu à accélérer fort, ils sont 40 000 derrière moi, donc c'est très serré. Et je viens de barrer une petite heure là, je fais une petite pause d'escalade mon petit Mont Blanc et après je repars à la barre. Et là bah, c'est l'été. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Ok, la guitare. À l'Italie. Un piano. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. Bataille d'empanage en cours. Normalement, je suis grand Jenac Henri. Alors, faut pas le dire aux autres, je vais passer petit Jenac juste avant la nuit. Ça file. Hop là! Là, tu vas la petite planter. Voilà pourquoi je passais grand Jenac, enfin petit Jenac. Vous avez compris? Ça enfourne un petit peu. Erwan sait que forcément moi je suis un peu moins expérimenté que lui, qu'il a moyen de bien faire, donc ça lui donne confiance. Ça l'aide à venir chercher ce sprint final aux abords de la Guadeloupe. Là je me retrouve dans la position dans laquelle il voulait être au départ, d'arriver en Guadeloupe après moi parce qu'il estimait pouvoir me doubler autour de la Guadeloupe. Donc là je me dis bah attends, on va retourner la situation.
t'es arrivé premier dans la Guadeloupe, mais peut-être que finalement je peux peut-être te doubler aussi. Il n'y a pas de raison. Et en fait, au fur et à mesure, je le vois, je commence à le voir. J'appelle Alex, il me dit bah, tu vas entre lui et la côte. Donc il y avait 500 mètres entre lui et la côte, donc j'y suis allé une première fois. Il arrive à s'échapper. Après, il essaie de me resserrer à la côte. Le vent il tourne, il est obligé de s'écarter. Et là, j'arrive à moi en arrivant 5 minutes après à pas avoir le même vent. Donc là, pareil, je le double. Et lui, il s'arrête pas alors que moi, je suis tombé dans un trou sans vent. Et donc là, il s'en va. Et je le reverrai plus quoi. Il vient de le repasser parce qu'il dit trop tard et Alex il dit pas grave, c'est le jeu, Quentin je vais la faire la joyon, intérieur après, yes. Dans ma tête j'ai pas envie de craquer enfin, tout de suite, j'ai envie d'y croire jusqu'au bout, il reste un virement à faire. Il reste des situations qu'on a connues avec Joyon et Gabar en 2018, donc je me dis bon moi je vais faire une joyon, je vais faire pareil, je l'offre à fond. Je me mets presque face au vent pour longer la côte de la Guadeloupe alors qu'Arwan il est parti dans le sud pour placer son virement de bord. Et ça marche plutôt pas mal, puis d'un coup le vent il bascule de 30 degrés avec le grain qui arrive et donc là je me retrouve à croiser la route d'Erwan. Donc là c'est mort, la régate elle est finie, le but voilà, il reste une heure de nav, c'est de profiter, pas prendre de risques. Si on est content de partir en mer, on est content forcément d'arriver de l'autre côté. J'ai jamais vécu une course aussi fluide et une navigation aussi sympa. J'ai jamais pris autant de plaisir sur l'eau à régater. Oui, c'est un petit moment où, ben voilà, où moi je suis plus à l'aise en mer, donc il faut que j'arrive à faire le lien avec toutes les personnes qui viennent te rejoindre sur l'eau. Alors, vécu une course avec beaucoup de suspense et d'émotion. Le retour des salariés, il est que c'est une très grande fierté. De toute façon, ils y croyaient tous. Et Quentin nous a prouvé que tout était possible. La route du Rhum, c'est la course la plus importante de notre catégorie de bateau. Là, les personnes sur le ponton, elles sont là que pour moi. Il y avait la famille qui était là, plein d'amis, team d'Avo Multi, des personnes d'Arkema. Voilà, c'est plein de personnes qui, ça fait un an, deux ans, qui te disent on sera là à l'arrivée de ton homme, mais toi tu sais pas si tu seras là quoi. Très heureuse et fière de notre Quentin. Plein de bonheur. Il y a eu beaucoup de boulot hein, dans l'apprentissage, tout ça quoi. Il a fallu, il a mangé, il en a bouffé du pain noir quoi. Mais il fallait pour faire une belle régate comme aujourd'hui quoi. On pourrait penser que c'est une page qui se termine et en fait c'est un bloc de 150 pages qui est complètement blanche, qui est en train de s'ouvrir. Je suis exceptionnellement heureuse, quoi. Comme jamais j'ai pu l'être. D'un point de vue encore plus personnel, en tant qu'épouse de Lalou, j'aurais aimé qu'il soit là, quoi. C'est lui qui a amené Quentin là. Mais je comprends qu'il soit resté avec Alex pour essayer d'amener Quentin sur la ligne d'arriver dans les meilleures conditions. Lalou il m'a transmis le savoir-faire d'aller vite déjà, sur des bateaux qui sont complètement dingues. C'est le fait de rester toujours soi-même, de rester simple, dans la joie et la bonne humeur, d'être franc avec les gens, d'être tout simplement naturel quoi. Ça c'est Lalou Multi, c'est une grande famille, et sans prétention, mais si ce n'est celle de faire les choses bien. J'espère que maintenant il va faire rêver plein de petits garçons, comme il l'a fait il y a plus de 15 ans.